Une étude avait été réalisée en 2012-2013 par le CSA qui mettait en évidence que malheureusement seulement 7% de retransmissions sportives féminines étaient vues à l'écran et qu'effectivement c'était très insuffisant comparativement au sport masculin. On montre aux hommes ce qu'ils font vivre aux femmes. Et je trouve ça intéressant. Comme on dit, mon émission de radio, elle changera de nom le jour où les hommes et les femmes seront médiatisés exactement de la même manière, c'est-à-dire 50-50. Il y a un truc qui me surprenait quand j'étais plus jeune. Je pense à Florence Artaud, paix à son âme. Quand elle a gagné la route du Rhum, on a dit c'est une femme. Quand Loïc Perron gagne une compétition, on ne dit pas c'est un homme. Le sport, ce qui est vrai au niveau des retransmissions sportives, est aussi vrai dans les organes de direction. Très peu de femmes sont à la tête de ligues, très peu de femmes sont à la tête de fédérations de sport. Il a fallu attendre, en fait, c'est en 1997 que Marie-Georges Buffet était la première ministre femme en charge des sports. C'était il y a 20 ans. On a un gros retard, en fait, c'est culturel, sportif, de représentation de la femme à la télévision. Et le sport est un vecteur possible pour pouvoir améliorer, rattraper ce retard. Ceux qui sont à convaincre aujourd'hui, ce sont justement ceux qui ne sont pas dans ces salles quand on fait des colloques. Ce sont ceux à qui on n'a jamais l'occasion de s'adresser, c'est-à-dire les présidents de fédération. Quand pourrons-nous s'adresser à eux directement, nous, les femmes? Qu'on leur explique ce que j'explique dans mon livre, parce que ça provoque des souffrances, qu'on en a marre, qu'on voudrait avancer, qu'on a envie, avec eux, de faire avancer le sport. Pas derrière, avec eux, à leur côté. Ouais, rien n'est fait pour nous, et alors? Rien n'est fait pour nous. Ok, on constate, on fait quoi maintenant? Eh bien, si rien n'est fait pour nous, c'est à nous de faire quelque chose pour nous. Donc, le message, il est celui-là. Moi, je dis, dans le sport, si nous ne prenons pas en main notre destin, avec l'appui et le soutien d'hommes, heureusement, parce qu'on n'y arrivera pas toute seule, on n'arrivera pas à avancer.